Et regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre survie modée en 1.16. Oui, aujourd'hui, on va dans le Nether. On va retourner dans le Nether. Ne vous inquiétez pas. On est parti pour commencer notre installation dans le Nether. En tout cas, pour poser les bases. J'ai fait donc le retour en off. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, on avait exploré un donjon qui était plutôt loin. On va pas se mentir. J'ai rangé mes coffres. J'ai tout trié. D'ailleurs, je me suis rendu compte. Aïe, ça fait mal. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on a énormément d'os hein. Genre, non de flèches pardon. Oui non, pas d'os, de flèches, on a beaucoup de flèches. Ça c'est cool, j'ai déjà pris sur moi du gravier et du sable, vous savez très bien pourquoi. Ce sera pour, en fait on va aller dans le Nether là où je veux m'installer. Et on va justement, je veux qu'on se fasse une base sous la lave. Donc pour enlever la lave on a besoin de sable et de gravier. Vous savez, vous connaissez la technique. D'ailleurs j'ai pas préparé de pelle, ce qui serait pas mal. Efficiency 3 siphon, je rappelle qu'on a récupéré une nouvelle pelle. Bah d'ailleurs normalement elle est sur moi, non? Pas du tout, je ne sais pas où elle est. J'étais pas censé avoir une nouvelle pelle incroyable? Non mais ça doit être celle-là. C'est bizarre. Ici j'ai rangé tous les enchants. On a des trucs de malade hein. Les looting 3, fortune 3, sharpness 5. Donc ça, ça va nous permettre de faire les enchantements qui n'existent pas, à savoir sharpness 6, looting 4, fortune 4. Bref les amis, on va se mettre tellement bien et j'ai tellement hâte. Mais d'abord on va s'occuper donc du Nether. Je voulais m'excuser. Alors attendez, normalement j'ai vraiment tout sur moi. J'ai la Warped Fungus, j'ai une Saddle. J'ai même pris une laisse et du Oak Fence pour pouvoir accrocher les poulpes qui nous permettent de marcher sur la lave. Bref, je voulais m'excuser, en fait, je me suis trompé dans le... Donc en fait, les deux derniers épisodes, c'était un tournage complet. Ça va, mon pote? Eh, attendez, faut que j'aille où de nouveau? Ah oui, c'est vrai, ok. Non, je me rappelais plus, c'était par où, là où je voulais m'installer. Je voulais m'excuser parce que dans l'un de vos derniers épisodes, on m'avait dit, ouais, mais utilise ton Ender Chest comme backpack, étant donné que j'ai une pioche Silk Touch. Et j'étais un peu énervé parce que j'étais en mode, mais regarde la vidéo en entier, je l'utilise. Genre je la récupère, mais en fait c'est faux, je me suis trompé, c'est juste que pour moi c'était dans le même tournage, mais en fait c'est l'épisode d'après, et du coup bah vous n'aviez pas encore vu l'épisode d'après, donc c'est tout à fait normal. Bref, je voulais m'excuser de m'être énervé pour rien, tout simplement, donc voilà, tout simplement. Donc nous, on va essayer de sortir, on entend un ghast, mais tranquille, ça fait longtemps que je suis plus retourné dans le Nether, sachez que ça me fait quand même plaisir d'y retourner. Voilà, je vais pas vous mentir, je me sens bien, franchement je me sens bien. Ah par contre j'ai pas pris de blocs normaux hein. J'ai pas pris de blocs et j'ai pas pris, ah si j'ai une fire resistance, mais j'ai pas pris les autres fire resistance. J'ai pas pris de pièces. Ah si, c'est bon, attendez. J'ai une pièce en or, c'est bon. Tout va bien. Mais j'ai pas pris d'or pour faire des échanges. Et vraiment, en fire resistance, je suis pas bon du tout. Oh! Salut. Bon, on va monter. Ouais, j'ai pas tout prévu, malheureusement. Bon, c'est pas grave, on va quand même s'en sortir. De toute façon, on a une pièce en or. Donc, quoi qu'il arrive, on va pas nous embêter. En tout cas, je l'espère. Voilà. Que personne ne me pousse, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir. Et on y est, il y a plein de chiens méchants hein. Eh, t'es sérieux gros? Pourquoi je l'ai pas eu tout de suite? Je ne sais pas. Bon, nous on va avancer, c'est par là-bas que l'aventure continue. Ah, le ghast est là-bas. Alors attends, le squelette d'abord. Ah, je rappelle donc que j'ai un arc. J'ai un arc quand même power 4 et j'ai pas mal de flèches. Donc on peut se permettre de se faire des petits plaisirs. Et c'est par où que je dois aller là pour aller... Putain, je me rappelle plus. Ah si, faut que je descende là-bas. Ah oui, oui, pas du tout, faut que je descende. Et après que je me trouve un... le poulpe. Et après, ok, ouais, c'est bon, attendez, bougez pas. Pas de panique, attends, ça se casse comme ça. Bonsoir. D'ailleurs, vous m'aviez dit, on est bien d'accord que c'est sur ces blocs là que les méchants loups ne spawnent pas. Voilà, ça c'est bon à savoir aussi. Ça c'est bon à savoir. Bon, de toute façon, c'est pas ici qu'on s'installe, donc on s'en fout. On s'en fout complet. D'ailleurs, étant donné que bah là où on va s'installer, y a pas de méchants loups. Voilà. Puisque ben c'est un biome de biomes aplenty et du coup ben j'ai remarqué que les loups ne spawnaient pas. Bref, j'espère que vous allez bien, n'oubliez pas le pouce bleu, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Comme d'hab, il y a de moins en moins de vues, mais c'est... Eh les gars, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, moi je kiffe à fond et je vais encore un petit peu profiter hein, très clairement. Alors attendez, moi j'aimerais... Je prends à chaque fois des nouveaux chemins pour aller au même endroit, c'est quand même... C'est quand même ridicule ce que je fais, mais bon, c'est pas grave, on a du bon stuff, on en profite hein. Et donc ouais, je ferai ce que j'ai dit, à l'avenir, je ferai des lives sur Twitch, sur cette série, non pas pour avancer grandement, mais justement pour miner, faire les enchantements, faire ce genre de trucs, tu vois. Et ouais, tu vois, genre les trucs méga importants, ce sera en vidéo, mais je vais faire des lives où justement on va miner. Voilà, ça nous permettra de discuter, mais ça permettra aussi de que je ne mine pas tout seul, parce que c'est quand même vachement chiant à faire, pas vous mentir. Alors, où c'est qu'on aurait... Voilà, les petites bêtes, là, viens voir. Viens voir, papa. J'ai une carotte.
Hey, mon pote. Hey, viens, mon pote. J'ai pas de bloc pour venir te voir, mec. Fais un effort. Allez, viens, mon pote. Ah, il déconne. Ça, c'est vraiment des emmerdeurs de première classe. Allez. Viens, mon pote. Voilà, toi, je vais pas te lâcher. Hein. La saddle. Je te monte et on va par là-bas. C'est par là-bas. Ok, on est parti les amis, direction notre spot, ça va être bien sympa. Je m'étais noté ici dans le bookmark la Lodestone, ce que vous m'aviez expliqué en fait, et ce qui nous permet donc d'avoir une sorte de waypoint. Donc ça peut toujours être pratique, en vrai c'est plus gadget qu'autre chose. On ira aussi miner bien évidemment, essayer de trouver donc de la netherite. Là pour le moment on va se rendre à notre base, on va voir comment on veut la faire, où est-ce qu'on veut la faire. Et éventuellement on pourra toujours un petit peu se balader tant qu'on y est. Et puis voilà, mais là la priorité ça va être de poser le sable et le gravier justement pour voir où c'est qu'on va faire notre base et on verra par la suite comment ça va se passer. Vous allez voir quand on aura fait un trou dans la lave, tout sera déjà beaucoup plus clair. Mais voilà, en fait mon idée vraiment, c'est que voilà, imaginez c'est là, et en fait il y a un grand trou avec une couche de glace, voilà on va pouvoir y aller, avec une couche de verre. De sorte à ce qu'on puisse voir à l'intérieur. Et c'est méga safe, c'est méga grand et c'est méga beau. Je veux que ce soit gigantesque, je veux qu'on en prenne plein la gueule, que ce soit cosy à l'intérieur, tu vois, avec tous les modes là de déco craft, etc. Tu vois, vraiment canapé, télé, high tech, que ce soit cosy, tu vois, des toilettes, un frigo, tout ça, tu vois. Mais que forcément, de l'extérieur, bah c'est hostile, tu vois, il y a de la lave, il y a les chiens méchants, c'est hostile à l'extérieur. Et encore, c'est vrai que là où on va, c'est quand même un coin qui est très sympa, on va pas se mentir. Mais voilà, dans l'idée, une fois qu'on rentre à l'intérieur de la base, on est trop bien et on a presque l'impression d'être dans le monde normal. C'est ça ce que je veux faire, les gars. C'est ça ce que je veux faire. Et après, à l'extérieur, on va quand même faire de la beauté, on va faire des structures à l'extérieur. Vous inquiétez pas, ce sera pas juste une couche de verre qui sera à la surface, ne vous inquiétez pas. Ça va être trop bien, je suis méga hypé. Ce qui m'embête un peu, c'est de faire des voyages comme ça, mais ça va aller vite une fois que... voilà, en vrai, je pense qu'il me restera plus que quelques trajets encore à faire. Je ramènerai tout ici et puis après, on n'aura plus besoin de retourner, en tout cas dans notre première base, sauf pour les souvenirs, par nostalgie, quand on voudra y retourner, bien évidemment. Donc, voilà, ça va être bien sympa. Ok. Alors, on va... C'est toujours par là, si je dis pas de bêtises. Ouais, de toute façon, il faut suivre la lave, hein, c'est pas compliqué. Il me semble que je m'étais mis, je suis pas sûr, il me semble que je m'étais mis des marqueurs, des marquages. J'avais mis de la cobble à quelque part. Non mais c'est bien par là. C'est bien par là. Ah si, j'avais peut-être mis des torches. J'avais peut-être mis des torches, on va voir. Je vois pas de torche ici. Mais c'est bien par là, je reconnais le chemin quoi qu'il arrive. C'est par là qu'on avait... Et puis de toute façon, regardez, on reconnaît. On commence à reconnaître là, vous voyez. C'est quoi? Des blocs d'os. Je sais pas où c'est que j'ai mis mes marqueurs. Pour moi, je suis persuadé d'avoir mis des blocs. Bon, en tout cas, c'est bien par là, hein, dans tous les cas. Ouais, c'est peut-être dans ma tête. Ah! Non, c'est des blocs d'os. C'est pas moi qui ai mis ça. C'est chelou. Je sais plus comment j'avais fait pour rentrer l'autre jour. Ah bah de toute façon, on voit mon portail là-bas, on voit mes torches. Bon. À mon avis, j'avais dû rentrer par la terre et... Et je sais plus comment. C'est possible, hein. Non, mais il n'y a pas de bloc. C'est chelou. Je sais plus comment j'ai fait. Mais pour moi, c'était clair. Bref, donc voilà, ça y est, on arrive à notre petit spot. Et ce qui est méga sympa, comme vous le savez, vous le voyez, c'est qu'il n'y a pas de méchants loups. Il y a les piglins, par contre. Enfin les piglins, les pigmen. Et ça c'est cool. Mais voilà, il n'y a pas de méchant. Et là, ce qui va être sympa, comme j'ai tout pensé, voilà, j'ai pensé à tout. On va se mettre là. Voilà, il a froid, mais t'inquiète pas, ça va pas durer. Je vais prendre mon oak fence. Je vais préparer ma laisse. Tac, et est-ce que ça marche? Oui. Et voilà, et tu ne bouges plus. Eh oui mon pote, tu vas rester là? De toute façon, il peut pas mourir de froid normalement. Normalement, il peut pas mourir de froid. Et au pire... Eh au pire, frère, tu vas pas me casser les bonbons. Ah mais non, attendez, on va faire ça. Ok, je suis gentil. Allez, je suis gentil. On va faire ça comme ça. Hop. On va reprendre la laisse. Voilà. Alors attends. Il est complètement con. Voilà, viens par là. Voilà, arrête-toi. Mets-toi là. Voilà. Tac et tac. Et voilà, comme ça il a pas froid et il est attaché. Tout va bien, ça c'est fait. Bon, du coup voilà, ici ça va être un petit coin sympa. En vrai, je verrais bien très sincèrement faire une petite maisonnette ici, ou en tout cas une structure. Maintenant à voir, est-ce que la base sous la lave, on la fait de ce côté-là? Ah oui, c'est tout à fait normal. Mais alors du coup, le problème c'est qu'il va se barrer. Ah oui. Eh bah oui, voilà, j'ai perdu ma laisse. Oh, je suis dégoûté. J'en étais sûr. Bon, t'as intérêt à rester là, mec, hein. Alors là, mon pote,
La vérité, tu vas pas partir. La vérité, tu vas pas partir. Voilà, là, il est bloqué normalement. Je suis pas sûr. Voilà, je veux pas le perdre lui au cas où. Voilà, je suis désolé mon pote. Bon, allez, la dernière barrière qui me stresse. Oui, bref, je voudrais faire une structure ici. Alors, je pense en fait que la base sous la lave, on va la mettre de ce côté-là. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait qu'on soit venu par là-bas, ça me rassure pas. J'ai un petit côté qui me dit, bah non, en fait, là, on retourne vers le passé. Alors que là-bas, on se tourne vers un coin un peu plus inconnu et plus sympa, peut-être, parce que, bah déjà, en vrai, c'est méga safe de partout. Et c'est méga grand, c'est méga mignon. Les gars, on va faire ici. Ce que je veux faire, on va le faire ici. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va se prendre quelques blocs de netherrack pour pouvoir faire un petit pont et poser du gravier et du sable. Et c'est ça ce qu'on va faire, les amis, aujourd'hui, vous l'aurez compris. Ça va être bien sympa. J'ai pas envie de prendre ces blocs là, j'ai pas envie de casser le décor, d'accord? Donc là on va creuser dans la netherrack ici. Les gars, on pourrait se faire aussi une petite base là. Oh les gars, la petite grotte ici les gars. Non bien sûr on va faire un truc là aussi hein. En vrai, j'ai tellement d'idées les gars, ça m'énerve. Là on va faire un petit slash game mode créatif et on va se faire plaisir. Ah non mais sans déconner, j'ai trop d'idées. Voilà, j'ai pas besoin de trop de blocs non plus. On va se faire kiffer les gars. Et ça me fait penser à The Fantasio 974, le guide pour bien débuter à Minecraft. Genre c'était renfoncé un peu, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour ceux qui ont la ref, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon et puis j'ai hâte d'aller explorer les nouveaux horizons là-bas. T'imagines, il y a un bastion juste à côté, mais ce serait mais incroyable. Ce serait incroyable. Eh attendez, y a pas de méchant. Je peux enlever mon casque en or. Je vais mettre ça sur la tête. Ça va nous permettre d'éclairer en même temps, tu vois. Pas mal. Et en plus, eh les gars, en soi, le casque, il est en or. Bon, bref. Du coup, ce qu'on va faire, on va partir là-bas. Parce qu'évidemment, je veux pas le mettre à ras-bord. Sinon, c'est pas drôle et ça n'a pas d'intérêt. On va se mettre un petit peu loin. Et après, on va tout simplement commencer à poser du gravier. J'espère que c'est... Eh, franchement, j'espère que c'est pas trop profond. Parce que si c'est pas trop profond, c'est méga stylé. Voilà, à partir de là, on va pouvoir faire... Juste faire gaffe, bien sûr, à pas se mettre dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Ça passe. Et j'ai pas besoin de celui-là en plus. Voilà. Et là, on va essayer de se faire un petit carré. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Je suis pas sûr que ça marche là. À mon avis, je suis en train de gâcher du gravier pour rien. Faut faire ça comme ça. Ah ouais. Ah non, c'est bon, ça a marché quand même. Ça marche quand même, ok. Bon, dans le doute, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être très très chiant, très très long, mais vous allez très vite comprendre une fois qu'on aura déjà un bon début. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ça marche bien, ouais. J'étais pas sûr, mais ça marche bel et bien. C'est pas rassurant ces bruits-là. Hein. Et en plus, ne jamais faire ça, hein. Être sur des blocs de gravier au-dessus de la lave. Mais vous inquiétez pas, vous savez, on vient de les poser, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à tout moment, si maintenant il y a un bug ou qu'il n'y ait plus rien en dessous... ça peut très vite faire mal. Donc voilà, vous aurez compris. Juste pour se donner une idée, je vais vous montrer. Je veux juste faire un trou pour que vraiment on ait une idée de si ça marche vraiment. Bon, évidemment que ça va marcher, mais voilà. Ça veut dire que là, si je casse ici, il n'y a plus rien. Et en fait, voilà, c'est exactement ce que je veux faire. Voilà. Alors par contre, tu vois, là, l'intérêt d'avoir une pelle siphon, c'est de pouvoir récupérer. Eh ouais, pouvoir récupérer dans l'inventaire, oh, ça c'est génial. Ok, eh ben on va faire ça les amis. Et aussi du coup je viens de penser, c'est tout bête, mais j'ai ramené énormément de gravier et j'ai même ramené du sable au cas où. Mais ce qui est génial, c'est qu'on n'en aura pas besoin. Parce que là regardez, il me reste 86 blocs de gravier. Mais là... Regardez, maintenant je peux récupérer ici par exemple, tu vois. Donc c'est bon, tout va bien, genre j'ai pas besoin d'autant. Je vais pouvoir vraiment m'éclater à faire aussi grand que je le veux. J'ai pas besoin de tout ce que j'ai sur moi. Et ça, ça fait plaisir, vraiment ça c'est la régalade. Oh là là, regardez, je suis un PGM. Comment je tryhard pour essayer d'être le plus rentable possible. Attendez, 3 d'un coup. Ah, regardez-moi ça. Oh là, la crise d'épilepsie les gars. Ah ça y est, j'ai plus de gravier. C'est pas grave. C'est pas grave les amis. On n'a pas besoin de gravier nous. C'est pas comme si on en avait beaucoup.
C'est bon ça. Oh, on est beaucoup trop bien. J'adore faire ça. En vrai, c'est satisfaisant. En tout cas, faire le trou à l'intérieur, c'est méga satisfaisant. Oh. Et on pourra le faire aussi profond qu'on veut, bien sûr. Hein, parce qu'en dessous, bah, on va être libre de faire comme on veut. Bon, j'ai quand même ramené. Voilà, merde, j'ai gâché du gravier. J'ai quand même ramené du sable au cas où. Je pense que j'ai bien fait, tu vois. Parce que là, par exemple, ça va être un peu ennuyeux. Ça marche aussi le sable, on est d'accord. Ouais, parfait. C'est méga satisfaisant et stressant en même temps, les gars. Si là je casse les blocs devant moi, je suis dans la merde. Complètement. Oh, regardez la profondeur du truc, quoi. Vous vous rendez compte? Bah, du coup, on va se faire un escalier pour qu'on puisse quand même ressortir. Oh, ça y est, on est tout en bas. Les gars, on est au sous-sol de la lave. C'est incroyable. Si tu casses là. Et merde. Ah. Oh. Oh. Attendez, c'est trop bien. On va même pouvoir. Mais c'est génial. Ok, bah tout va bien. Bon, dans le doute, j'ai quand même laissé, mais voilà. Ça, c'est méga stylé. Ok, donc voilà, vous aurez compris ce que je suis en train de faire. Bon, enfin voilà les amis, je pense que vous aurez compris ce que je suis en train de faire et je trouve que c'est pas nécessaire d'en faire toute une vidéo parce que j'ai pas envie de prendre tout mon temps là-dessus et je vais faire ça en plusieurs fois, donc je vais prendre mon temps. Donc on va déjà s'en arrêter là pour cet épisode. J'imagine qu'il aura été bien plus court que les autres, hein, mais c'est pas bien grave. Je vais continuer de faire ça en off tranquillement et on se retrouvera pour le prochain épisode. Donc peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Vous inquiétez pas, ce sera pas non plus trop long, mais voilà, je pense que c'est pas nécessaire d'en faire toute une vidéo et on se retrouvera très vite pour la suite de l'aventure. Ça va être bien sympa. J'espère que vous êtes à fond avec moi, avec cette idée que j'ai, parce qu'en vrai ça va être trop sympa, ça va être méga chill et ouais, la classe. Oh, un bastion, pas du tout, c'est faux. N'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Je vais mettre en sécurité, voilà, c'était Mkolo. La tête. Je vous fais plein de bisous, ciao tout le monde.